Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 3h20. Je viens tout juste d'arriver à la maison du Costco. J'ai pas vlogué aujourd'hui, mais ça va être une vidéo achat. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté au Costco. Mille coco. Puis, dans une friperie à André Naturolet. Faut que je me dépêche parce que faut que j'aille chercher Amélia à la garderie. Puis mon chum, je mets le chien dans la voiture. Parce que mon chum, Amélia et Benji vont aller marcher ensemble et faut que j'échange la couche à l'heure avant de partir. Faut que je sois là pour avant 4 heures. Fait qu'il est 3h20. Je go. Je vous montre ce que j'ai acheté. Je vais laisser ce qui va au froid dans le frigo, ce qui va à température pièce, qui ne pourrait pas être rangé sur le poêle, puis on va ranger le reste. Dégâts numéro 1, il est 3h20. J'en ai fait des dégâts avant hier. J'ai réussi à avoir des tétés de ma fille au Costco. J'ai dû l'allaiter. Ben, j'ai donné un lait et je l'ai allaité un petit peu. J'ai réussi. Fait que j'ai acheté du sel de table. Une autre poche de lait. Je vais faire des tests en fin de semaine ou la semaine prochaine, ok? Parce que là, j'ai pas le temps. J'ai vu qu'il y avait des Honolulu cookies, des mini bouchées graines de chocolat et noix de macadam. J'aime les deux. De la mayo. De la crème sure. La pancetta. Un vin blanc, c'est pas le meilleur, mais bon. La moutarde de maille de Dijon. Des bâtons de groupeux pour Amélia. Ensuite, un poulet chaud pour ce soir, même si j'ai du poulet à faire cuire, je vais le faire cuire tantôt. De la sauce chili sucrée parce que c'est tellement bon. Quand je cuisine pour pas me casser la tête, de l'huile en vaporisateur. Je sais pas c'est quoi l'huile, mais c'est l'huile de canola. La sauce de Worcestershire, parce qu'on en a souvent besoin dans des recettes, puis j'en ai jamais, mais là je vais en avoir. Des chips cheddar et crème sure. La margarine. Des œufs. Je sais qu'ils sont pas pétés. Non, c'est tout beau. Des biscuits pour des lunchs, célébrations. Du yogourt, Aigo, parce qu'il est en spécial. C'est du 0%, mais je m'en fous. De la cassonade. Un sac de fromage tout, mais j'en ai. Il y avait ça de nouveau au Costco, c'est comme des nouilles, je pense. Une chance que la garderie est à 10 minutes de la maison. Ah, c'est des nouilles en pot. Je l'ai pas acheté dans des nouilles full fort. Pis tout. Mais ça a l'air bon. C'est des genres de nouilles comme ça. Fait que je pourrais m'en servir, mettre des légumes, mettre des sushis, me faire des genres de soupe repas. Ouais. Prête en 3 minutes. C'est cool. Il y avait trois beaux, il y avait full de beaux pyjamas intéressants. Fait que j'ai pris des 9 mois avec cornet crème glacée dans le rose. Un autre rose ici rayé. Comme ça, avec une petite coccinelle en haut. Oui, c'est les pyjamas du Costco, c'est les prefs. Puis avec des petits soleils. Comme ça. Le classique Bergeron Gouda, c'est mon pref. Le caprice des yeux et le Brie, le président. Ensuite, j'ai acheté de la laitue, l'autre sac de pois manchots, des bananes parce que c'est délicieux, dans les fruits, des bleuets.
des poivrons, puis des fraises. Du savon à vaisselle, où est-ce que je suis allée pour le entraîne à du relais, j'ai trouvé un casse-tête de la pâte patrouille à 8$. Un ensemble de printemps pour ma fille dans le 9 mois, un tagou 6$. Ensuite, à la friperie, j'ai pris des livres. Ça, je les montrerai une autre fois, là, mais j'ai full de livres pour 6 pièces et demie.